d'avoir choisi la SNCF. Nous vous remercions pour votre fidélité. Ah là là, mais c'est pas possible, hein, je suis maudite. À l'instant, il faisait beau, et dès que je sors, eh ben, il fait mauvais. Bon, c'est pas le tout, mais il faudrait que j'aille voir ma petite sœur jumelle. Je lui ai pas dit que je rentrais. À mon avis, elle va être très contente de me voir. Tu m'avais pas dit que tu rentrais. Eh oui, surprise. Bon, il faut que je te raconte vite fait mon voyage à Londres. Les gens, ils sont bizarres là-bas. Ils s'habillent pas comme nous. Oh, bah oui, tu m'étonnes là-bas. Ils ont pas peur d'avoir un style différent, eux, au moins, comparé à nous. Ah, bah oui, ça c'est sûr. Bon, dis-moi, t'as pu filtrer ou pas? Oh, tu sais, moi, l'anglais, c'est pas trop mon truc. Et bon, ils font un peu flipper là-bas, mais je vais bien trouver quelqu'un. C'est toi qui dis ça alors que t'es une fée et que t'as les ailes noires. C'est un peu paradoxal, hein. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oh, et puis, t'inquiète pas. Vu comment t'es gentille et que t'es belle, tu trouveras forcément quelqu'un. Bon. Et dis-moi tout, toi, du côté des amours, ça marche ou c'est toujours aussi plat? Dis-moi tout, hein, je veux tout savoir, hein, sinon je vais pas être contente. Bon, et ben moi, du côté des amours, hein, c'est toujours aussi calme. Et puis je préfère me concentrer sur mes études. T'as raison, hein, c'est plus important. Oui, et puis j'aurai bien le temps de trouver quelqu'un pour m'enquiquiner matin et soir. Oh là là, tu changeras jamais! Oh là là, j'avais pas vu l'heure, moi. Bon, il faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous super important. Ouais, c'est ça, t'es courte notre conversation. Non, non, pas du tout, c'est vrai, je te jure. Attends, avant que tu partes, j'aimerais bien que tu me dises où est-ce que je pourrais acheter un cheval. J'aimerais bien m'inscrire à la compétition qui aura lieu dans pas longtemps. Ah bon? Toi, la compétition? Eh bien, tu peux en acheter un au centre équestre. T'inquiète, c'est abordable. Ok, merci, sœurette. De rien, t'inquiète, c'est normal. Bon, il faut vraiment que j'y aille, je vais être en retard. À plus tard, sœurette. Oh, elle est trop bien, cette musique. Bon, j'ai pas encore le prince charmant qui va avec, mais je vais voir au moins le cheval. On va voir ce que ça va donner. Alors, oui, on va se faire un peu de peine. On me semble pas mal. Hermanos es más alegre cuando los días son duros con una sonrisa se quebran los muros mi cariño acércate un secreto voy a contarte y fuerza mi sonrisa el cielo me lo regaló me sigue noche y día en la sombra me llega el sol y fuerza mi sonrisa aquí te lo regalo yo comparte una sonrisa vivo al mundo le das tu sabor. Allô Clara? Oui, c'est moi ta grande sœur. C'était juste pour te dire que le cheval il est super fort, génial. Je regrette pas de l'avoir acheté.
Ah oui, et puis je sens que je vais gagner la compétition. Il est tellement fort, faudrait que tu viennes voir ça. Alors, comme ça, ton cheval est super fort. Dis-moi, comment il s'appelle? Il s'appelle Tonnerre. Ah, bah dis donc, je suis contente pour toi, hein. Tu vas gagner, c'est sûr. Bon, crions pas victoire tout de suite, mais oui, c'est un beau parti. Merci, petite sœur. Ah non, c'est pas possible. Elle va pas encore avoir ce qu'elle veut. Oh, il faut que je trouve un moyen. Ça y est, j'ai trouvé. Coucou. Tu sais, j'ai un truc infaillible pour la compétition. Tu veux que je te le donne? Oui, je veux bien. Merci, sœurette. C'est une pierre de sel. Tu vas voir, c'est plein de vitamines. Je me sens si fort à tes côtés. Je te veux près de moi toujours, comme quand nous étions enfants. Mon ami, mon frère, mon amour, te souviendras-tu de notre enfance, des calembours qu'on vit. Bah alors, chouchou, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelques heures, t'allais très bien. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est étrange. Je sais pas quoi faire. Est-ce que j'appelle le vétérinaire ou pas? Ça m'ennuie, quelques heures de la compétition en plus. J'ai l'impression que le monde est contre moi. Oh, t'inquiète pas, ça va aller. Bonjour à tous et bienvenue à la compétition de saut d'obstacles de Moonlight. Nous sommes très heureux de vous présenter Athéna et Tonnerre. Ils sont nouveaux dans cette discipline. Je vous propose de les accueillir bien fort. Eh oui, c'est un sans faute. Nous pouvons encore une fois les applaudir bien fort. Madame Bad, est-ce que vous m'entendez? Oh, mais où suis-je? Vous êtes à l'hôpital, vous avez fait une chute de cheval et vous avez fait un traumatisme crânien. Oh, mais comment ça se fait? Votre cheval a été empoisonné et malheureusement, nous n'avons pas pu le sauver. Nous sommes navrés. Qu'est-ce qu'a bien pu faire ça? Qu'est-ce qu'a bien pu faire ça? Tonnerre! Je te le promets. Losing your memory now. You're losing your memory.
C'est pas possible. Pourquoi tous ces souvenirs me reviennent en mémoire? Je me sens vraiment pas bien.